Allez, les voleurs de l'attaque, la frappe et nouveau but. Nouveau. Tire de Makiken, c'est dévié, ça va partir sur le côté. Joël Champagne, Vincent Carra, la tendresse. Champagne, ça joue vite pour Grenoble et ça permet de remettre rapidement le palais à la bleue, se mettre en position de tir. Et 3 buts là, c'est. Quoi qui hésite, qui a filé sur le côté et le tir d'Arnaud. Bon, Isérois. C'est vrai que la tendresse. Makiken, qui a bien vu. Il est magnifique ce but. Allez, engagement presque gagné. Allez, Grenoble qui relance rapidement vers l'avant. Et de suite, 2 contre 1. Bon, maintenant, là, il reste 2 minutes 50. Les Grenoblois, ils vont gérer leur supériorité. Et là, on voit... Voilà, la bonne passe sur Magovac. Oh, t'as terminé, touché. Et c'est but. Allez, Fleury. Il va faire le tour, c'est bien joué. Oh, c'est... Leclerc. On fixe, hein. Et c'est le deuxième tir, et c'est dedans. C'est dedans. Attention là. Attention, Olivier Richard qui a été déstabilisé, c'est rentré. Trouver son capitaine Joël Champagne. Makiken à nouveau qui va jouer avec Bizaillon. Bizaillon qui l'envoie en bas. Et les deux joueurs qui échangent là pour être sur leur même timer. Et le but de Guillaume Leclerc, on le disait, hein, c'est il fait partie du top. Ouais, Guillaume top, Leclerc. Top des meilleurs pointeurs. Le signe à glace. Face à face avec Leclerc d'ailleurs. Hein, c'est le premier. Leclerc avait le palais un peu sur la tranche. Il n'avait pas réussi à bien jouer. Champagne le lancer, ouais, c'est bien dévié. Il y a Makiken qui était disponible, mais on va revenir. Là, c'est la grosse ligne de Grenoble hein, qui est actuellement en place. Et... Allez, pour Makiken. Makiken qui pourra venir derrière. Avec Bizaillon. Le tir de Bizaillon. Ouh là 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 là. Allez, il se profile à la cage. Champagne là. Bizaillon. Voilà. Allez, dans les patins. Allez, il va falloir essayer de bloquer un maximum les lignes de passe et retarder les chances. Bizaillon. C'est dedans déjà. Alors, attention, là, par les enfants. 3 contre 2. Carnet. Oh, attention, il y a de la place. Champagne. Oh, oui. Et Grenoble avec Patrick Makiken à la bleue. Attention au lancer de Patrick Makiken. Makiken, c'est bloqué. Et le but rentré par la. Sur l'aile gauche. Attention, allez, et là ils sont 3 les Grenoblois. Et ça lance. Et quel but de Guillaume Leclerc. Mais là on voit que Strasbourg réussit pour l'instant à se dégager avec Makiken. Attention pour Bizaillon. Bizaillon qui va tirer. Oh, allez, vas-y. Il va rester 40 secondes dans la supériorité iséroise. Avec Leclerc. Entre en zone offensive. Frontier. Attention. Fleury un petit peu seul. La passe pour Magovac. Il a pris de la vitesse Magovac. Makiken, ils sont tous là, les Grenoblois. Revers de la part de Damien Fleury. Bien bloqué de l'épaule par Clément Foucrel. En haut, Makiken. Ouais, but. Ah ouais. Allez, avec une nouvelle fois Fleury qui réussit à mettre son vis-à-vis. Attention pour Champagne. C'est Sacha Trey. Justement, avec Sacha Trey peut-être dans la Makiken, feinte. Vous pouvez chercher avec Ken peut-être pour un one-timer. Ken le tire. Oui. De Rouen, Mathieu Roy. 5 minutes plus 20 minutes de dureté au numéro 57 de Grenoble et des Travichés et 20 minutes de dureté au numéro 54 de Grenoble. Ouais, attention, le but. C'est le premier but. Il est à... C'est bien fait cette passe, pas de hors-jeu. Oh, c'est bien. Ah, dommage. Et attention. Oh, oui. Allez, Dacosta qui va aller devant le gardien. Dacosta, et but. Il s'est embrouillé. Makiken. Allez. La pression va se faire plus en plus passer. Oui. Et Dacosta. Ça va être dur de conclure cette prison par un but. Ouais, peut-être une dernière opportunité. Makiken. Olivier Lavalca qui donne encore à Grenoble une opportunité monstrueuse. Ouais, je cautionne pas du tout, ouais, ça va. Mais par contre, comme on dit, c'était fait un peu secouer ces derniers temps. Attention là, vite. Lucas Savoie. Encore un rebond laissé par Lucas Savoie. Ouais, avec bah, jamais facile. Et le but. Et le but. Oh. Ça, il reste 1 minute 20 de supériorité. Pas beaucoup qui chute, Makiken qui prend le tir et but. Attention à l'entrée en zone d'Acosta Fleury, ça va vite. Et le but. Et le but, ouais. Pour l'instant, rien de grave. Changement de gants. Les deux équipes jouent au régal. Femme pénalité pour. Attention à Fleury dans le slot. Oh, le but, voilà. Et voilà.
ça se durcit. Attention. Bien sûr. Et le but. Et voilà. Égalisation de Grenoble. Ouais, mais là, on cherche à se chamailler.